J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Où est-ce que nous allons essayer de grinder quelques navires en cours avant que peut-être ils ne finissent par disparaître dans le néant du bureau de recherche. Ce que j'ai pas envie de faire en fait. Ça prend trop de temps à grinder. Salut Bob, hello Gain, hello tous les gens qui traînent ici, je vois déjà que vous êtes 72. Si jamais vous n'avez pas envie d'avoir le chat du jeu et que vous traînez sur Discord, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas grave, j'ai rajouté un channel textuel sur le Discord de la OSFR qui est connecté à mon chat. Conclusion, j'arrive à voir ce que vous racontez et je peux interagir du coup en vocal. C'est beau la technologie. Il me proposait de me connecter à Discord. Il y a marqué live du chat sur chat du live. Channel chat, c'est bien deux mots différents. Enfin, je trouve. Salut le beat. C'est Loa Kana, merci pour ton live fantastique et musical. Ben on y va. Est-ce que je suis prêt? Je sais pas. Salut Fiesta. Comme marqué dans le titre, la victoire est optionnelle. Victoire en option. J'ai pas pris l'option, ça coûtait trop cher. Bonne nuit. Ah bah tiens, un Akoryu. La partie va bien se passer. Est-ce qu'il y a du nonothéiste qui traînerait chez les nonothéistes? Kremlox. Marilyn Monroe passe en vélo en diagonale. Oh mon dieu, on commence. Est-ce qu'il y a que moi qui est dans le cloître et il y a plein de gens dans le presbytère? Moi je vais dans le confessionnal. Incroyable. Ils sont tous là, ils ont fini par faire de... Ils ont fini par pouvoir faire un peu de... Un peu de CW. Salut Tiatox. Tu as refus, ça fonctionne. J'adore le Kremlox, c'est tellement débile. Ouais, on va tanker tout droit. Pas trop vite. Parce que si je tanque tout droit trop vite, ça fait l'effet DD et... On va gagner. On va gagner.
ouais. Qui c'est les meilleurs? C'est les soviétiques. La 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 la. Ah oui, j'ai un horaire qui est très bien. Demain, si vous êtes dans le coin, normalement, il y a le Daffy, mais le Daffy, je vais profiter qu'il attende au petit coin, qu'il aille au petit coin, pour l'enfermer et prendre sa place. C'est un plan machiavélique. Mais je vais l'attendre, je suis sûr que ça va marcher. N'y peut pas venir demain, je le remplace. Donc du coup, au programme demain, Clone Wars avec un ETIste. En espérant avoir assez de monde. On commencera quand on commencera, on verra bien. On mettra 5 minutes de télé. Et puis samedi, pareil, Clone Wars aussi. Que des trucs bien, quoi, voilà. Ça va être chouette. Alors. Il y avait un cuirassé droit devant. Il y a toujours un cuirassé devant. Ah, deux. Ouais, bon, bah, on se casse. Parce que j'ai pas l'impression que le sourcilium pousse. Non. Oh, il y a un buffalo. Oh, le buffalo, par contre, je vais y aller. Je vais essayer de me mettre loin du Musashi avant de tirer. Pour ce faire, je fais un truc comme ça du genre. Ça tombe bien, il tourne un peu. Ouais, 4000. Ah bah voilà, le Musashi ça passe par-dessus. C'est moche. Ça passe par-dessus. Ah ça, il y a Yamato en face. Merde, il va. Tenez la tronche. Bon, c'est pas grave, on va disparaître. Et on va disparaître. Là, je suis invisible. Oh, sauf que je vais quand même être visible. Je vais être visible par le Musashi. Pourquoi il n'y a pas le vendredi? Il n'y a pas le vendredi. Bon bah s'il n'y a pas le vendredi, on fera n'importe quoi alors. Ah, pousse-toi! Il va croire que je m'énerve. Ah, ouai, 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 ouai. Oui, y a rien, super, je suis content, je monte mon broadside. Oh, oh là là, attention des moines. Attention des moines. Il y a un Kit Kat qui traîne. Je vais mettre de la cheveux. 28 secondes, ça vaut le coup quand même. Et on va pas tarder. Je suis plus visible, donc j'aimerais vite pour retourner un petit peu. Salut Steph Quick. Bah, s'il n'y a pas de clan war là, écoute, on va gentiment patienter samedi soir. Et puis demain soir, on fera une soirée pour l'exclamation Patou. On fera gagner des coffres, tout ça, tout ça. On va lâcher un avion. Loin. Il y a un truc plus proche, il y en a un plus près. Mais il ne le voit pas. Salut Everlord. Salut Papy Freezy. Je suis assez tranquille. J'ai l'impression que le lion il recule. Il tire à la cheveux, tant pis, c'est pas grave. Ou il avance en fait. Tiens, un feu.
Hey, regardez comment on a bien fait. Je suis toujours à la cheue. Mais bon. Alors là par contre, je suis en plein face, je les prends, j'en prends une. Et bien entendu. Il l'a bien mise. Très bien. On va essayer de le revoir. Il a tanké. Quand tu veux. Mais meurs. Meurs. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que c'était compliqué. Je repasse à la paix. Je vais aller dans sa smoke. Oh le Kit Kat. Ça alors le buffalo. Je tire pas. Je tire pas, je vais dans la smoke. Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Je me fais allumer. Il est dans le noir. Je profite de la smoke sans tirer. Là, je suis visible. Buffalo est là. Je pars pas trop parce qu'il y a le Kit Kat qui est là aussi. Je suis à la paix à nouveau. Je suis juste derrière là. Ah, il a attendu que je tire avant de se montrer. Malin le buffalo, malin, malin. Très malin. Je me fie des torpilles du Kit Kat. Voilà, lève là. J'en prends une. Dommage, j'aurais dû continuer à freiner, j'ai réaccéléré, je me suis dit mince. Salut Thunder demain. Salut Gnoudi. Ouais, enfin voilà. Contraint d'aider quand je suis en cuirassé, j'ai plutôt peur qu'il me torpille. Autre chose. Ah, le démon. Ouh, allez, mais accélère. Non, montagne. Je suis là. Ah, c'est un camo blanc qu'il a, je crois. J'arrive pas à savoir si c'est un camo blanc ou s'il est sans camouflage. Ah, c'est un camo blanc. Mais il est moins blanc maintenant. J'ai du mal à croire qu'un démon arrive à se faire démonter la tranche par un Kit Kat. Ça doit être le contraire. Hein. Le démon ne devrait pas avoir peur. Allez, boum!
Waouh. Il tire vraiment trop haut ce buffalo. Ça fait deux fois qu'il tire haut. Oh, ça pique. À la cheveux. Ah voilà, c'est bien. Nice. Buffalo n'aurait pas dû sortir. GG, Prince ne gêne. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. À monter toujours, ça me rend pas drôle. Toujours pareil, toujours les crédits qui posent problème. On a notre Yamato 4, 3000 points de structure. Il peut encore faire une belle salve contre un Mouza. Ah, il est en marche arrière. Là, il était en fuite. Pas avec le bon canon. Bravo Delpig. J'étais pas là. Je me suis pointé mais trop tôt. Il y a encore personne à 19h. Et demain soir, il n'y a pas. Il y aura samedi alors. Dommage qu'il n'y ait pas le vendredi soir. Il n'y a pas le vendredi soir. C'est sûr, je vais quand même vérifier. On va le fenêtre. On va taper World of Warship. Horaire clan noir. Clan de bataille. Dans la bataille navale gratuite. Les horaires. Alors, 9 fois sur 5, 2 sur 5, typhon, je sais pas quoi. Ok. D'accord. Pas les horaires. Bataille de clan, saison nord. Ça date du 19 novembre 2018. C'est bien, c'est assez vieux. Horaire des batailles de clan 2017. Warship. Horaire. Bataille de clan. Clan, bataille de clan, bataille de clan. Non, j'arrive pas à trouver l'info. Hors des batailles de clan 2017-2018. Saison voisin. Saison 6. Le 17h21h6:56 le samedi. Mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Juillet, 16 septembre. Ça va aller vite, hein. Salut Hoc, salut Tib. On va la perdre. Oh non, ou pas. On a trois. On n'a pas trois zones. On avait trois zones. On a un répu qui est là. Qui prend du broadside. Qui prend du tir. La paix. De la part du Minotaur, c'est normal donc. Je vais voir si notre Minotaur arrive à faire mouche. Il tire sur le démoine qui, normalement, lui fait plus mal, c'est logique. Changer de cible pour plus proche. C'est qui est derrière?
vachement loin. Ouch! Ça sent, ça commence à sentir vraiment le pâté. On n'a plus les navires pour pouvoir gérer. On n'a pas pu arrêter ni l'Yamato ni le Lion. Et pour moi, c'est perdu. C'est dommage, on va quand même essayer de faire une victoire en soviet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis sûr que c'est faisable. J'ai fait 32k. Bon, les batailles en T10, T8, T10, c'est vraiment pas génial. Que fait le démon? T'arrives à tuer un Yamato ou... Tu tires comment? Ah ouais, c'était secondaire. Nice. Oh. Ben, j'aimerais bien essayer de faire une victoire quand même. Et puis récupérer des tokens bidules machin chouette. Hein. Sur un truc à grinder de préférence, ça me permettra d'avancer un petit peu. Ah ouais, mais me carry en... Carré en T10. Tu veux venir en T10 alors que je suis en T9? Si tu veux. Si tu veux. J'ai 1003 en défaite. Oui, c'est le camo des contributeurs, celui-là, là, que je mets absolument partout sur ce que j'avance. Il apporte la même chose que vous, hein, à savoir 150% d'expérience. Il met simplement plus pour le commandant, c'est tout. Est-ce que j'étais là? Quel pseudo tu as? T'es en bataille. Non, c'est pas toi. Ça, c'est le défi. Si, normalement, je dois avoir ça. Je sais pas, je préfère celui de l'abonné, en fait. Le camouflage de l'abonné, je le préfère. Il a vraiment des beaux arrondis, il est vraiment super beau. Ouais non, je vais rester là. C'est pas grave, ça fera l'affaire. On va voir ce que va faire notre gentil Lightning. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Démon, Booster, Minot. Pff, quelle joie quoi. Pas d'avion. Encore qu'on n'a pas trop été embêté par les avions à l'occasion de la dernière partie. Linden a très bonne zappée. Plutôt de loin. Moi j'arrasserai de loin. Ouais, moi je garde le chasseur aussi. Au moins ça peut servir. Ça peut servir de petit spot aussi, des fois de temps en temps. Ça peut sauver la vie. Ouais, il a de la gueule ce navire. Il est beau.
on va avancer un poil plus. Donc là, j'ai bien du support sur l'avant. Il y a un autre Inden. Je suis pas visible pour l'instant. Ça va pas tarder. Il est en train de mettre les freins. Ça donne. Ah, je pensais qu'il tournerait plus. Ça pique. Oh, bah, c'est un Yam, forcément. J'ai un Yam en face de moi. Je pourrais passer à la cheveux, je pense. Parce qu'il va juste me faire mal. Kabarovsk. Ça sert à rien. Sur le Yam. Je passe à la cheveux. Et même si ça a servi à quelque chose, j'ai fait 20 bons 1000 quand même. Là, il est en train d'angler, donc je peux rien lui faire. Moins lui faire. Oh, le Z. Z23, et celui-là, droit devant. Ouf. Oh, je fais mal au Z23. 5007. Booster qui se met sur moi. Ça valait le coup de tenter un. Partir, je suis trop devant. Je suis trop devant. Je vais prendre la foudre. Je vais prendre la foudre maintenant. Yamato est en train de partir très loin. Salut Coco. Ah, nice. Marche avant. Marche avant, marche avant. Ouf. Le Z s'en va. Faut qu'on se tire, ouais. Ah, moi je tank, hein. Marche arrière, il y a le Kaba qui m'allume. 4 secondes. Je tourne cette nouille. Le Z revient, repart, revient, repart. Ah, je tank bien, je suis un million. Cette fois-ci, les torpilles, je les prends pas. Marge, j'en barre. On arrive à 1,4 million. Ah, quand je. Ah, Linden qui s'y met. Une partie superbe, vraiment géniale. Hashtag j'aime ma vie, vraiment. C'était vraiment très bien. À peu près comme la partie précédente. Donc, voilà, une trentaine de milliers de points de vie. C'est très fun. C'est très fun. On s'amuse, on esquive les torpilles. Par contre, là, j'esquive les torpilles.
bien de face. Il essaye de me torpiller, mais il n'y arrive pas. J'embarre, toujours là. Je suis plus à la cheveux. Un peu. J'en suis à 2,5 millions tankés. Ça commence à vraiment être bien. Je suis plus visible. Oh, c'est gros. Continue à me tirer dessus, mec. On arrête de tirer. Il est temps pour moi d'arrêter de me faire tirer dessus un peu, hein, j'en ai marre, parce que j'ai pris la foudre 2,7 millions, donc okay, ça commence à être vraiment beaucoup. On va récupérer des points de vie dans 35 secondes. Ouais, tirage de révérence. Izira a raison, faut partir d'ici. Il n'y a plus personne. Si, ils sont là, mais ils sont de l'autre côté de la montagne. Et moi, je vais. Jean-Bart avance. Moi, je profite de vraiment récupérer des points de vie. Il a décidé de tirer sur quelqu'un d'autre. Je vais peut-être repasser à la paix. Je passe à la paix. Salut le Parisien. Là c'est reparti. Moi je suis en marche arrière, je suis en grande marche arrière là. Ouais, mais si je montre mon broadside, mon grand, je peux te dire que ça va être là la ligne. Bon, là, je suis plus visible, mais j'ai peur qu'il avance encore, en fait. Non, c'est bon. Il avançait, il avance plus. Alors, je fais comme ça. Et on va passer la marche avant. On arrête de tirer. Lâchez-moi la grappe un peu. Je repars vers fort. Ça dépend de l'angle du navire en face. Les salves que j'ai faites un peu avant étaient sur un Yamato. Le Jean-Bart était de face, pareil, donc... Quand le navire est trop anglais, les dommages sont pas intéressants. Il est presque plus des fois plus intéressant de faire un feu. Allez, on s'en va. J'aime pas montrer mon broadside, mais bon. Hein. On récupère des points de vie. Et là, je tire pas pour pas être visible. Ça sert à rien, à part me prendre la foudre du Jean-Bart et du Jean-Bart. Tu vois là, sur des bateaux comme ça, je peux tirer à la paix. D'ailleurs, je conseille avec les cuirassés de tirer 100% du temps à la paix, parce que le mieux serait de changer contre un destroyer, de passer à la cheux, ou contre les navires qui sont des tiers au-dessus de nous. Qui sont anglais, je suis repéré, donc là je peux tirer. Et je suis toujours broadside. Il va falloir que j'arrête de me mettre broadside, sinon je vais me prendre. Tu vois, j'ai rien fait. J'ai fait aucun hit. Et là ils vont me mettre des feux. Parce que c'est du Jean-Bart. C'est tellement fun. Tellement fun. Je peux plus récupérer de points de vie. Et ils sont deux à 6 mètres là. Donc là, autant dire que ça va être amusant. De le tuer quand même. Il lui reste seulement peu le point de vie. Putain, je fais rien, je passe à la cheux, ça m'énerve. Il a peu de points de vie, alors du coup, oui. Ça brûle. Ah, c'est pas évident, tout dépend comment tu commences, tout dépend
qui récupère des points. Allez, 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 5 secondes. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance. Voilà, là on fait des dommages. Il va mourir. Il lui reste 116 points de structure. J'ai bien fait de pas tirer tous les canons dessus. J'aurais fait un double kill. J'aurais fait un double kill. Mais il y a quelqu'un qui me l'a piqué avant. C'est dommage. On peut aller cap maintenant. Je peux aller me montrer. Là, je vais survivre, je pense. Ben, t'as fait 130k parce que j'ai fait aussi Isira, j'ai fait aussi. Hey, je suis là. Tirez-moi dessus, allez-y, je tank 3 millions de dommages. 3 millions de dommages tankés, hein, autant dire que j'ai été la cible vivante. Les soviets tankent. Et localine. Les soviets tankent bien. Alors pendant que je faisais le guignol en faisant hey, tirez-moi dessus, allez-y. Eh ben toi tu faisais des dommages. Donc du coup, ben là on va vivre. Attention, c'est en train de cap. C'est en train de cap B. C'est un délit, je reste à la cheu. Sur un avion, juste au cas où l'avion verrait quelque chose. J'y crois pas. Ouais, c'est le Kaba qui est restant. Je peux charger la paix. Ah, c'est un Wooster. Ben, je suis pas l'autière, T9, mais voilà, il me tarde d'avoir le Kremlin quand même, j'avoue. Alors, un Montana qui est tout neuf. Et Isira sous RPF. Va falloir être prudent, hein, la partie elle est pas gagnée encore. Hein. Elle est vraiment pas gagnée. Là. Et le Kabak est là. Le Kaba est mort. Je drift. Je suis radar. C'est pas moi qui l'ai tué. Attention, Linden a des torpilles, hein, s'il peut décider de torpiller. Salut Captain Cornichon. Ah waouh, yo. Quelque
chose me tient sans que je le vois. Il me reste 12 000 points de structure. Je suis trop. Non, ils vont garder leur zone en fait. J'essaie d'aller voir pour la... Oh la vache. Ça va être dur. Ils vont nous prendre C par derrière. Je suis repéré. Je suis radar. Je freine pour pas me prendre. Il me regarde pas. Ton Skoy. Regarde pas moi. Allez. Allez, tant pis. Oh mon dieu. Allez, esquive-le. Esquive tout, esquive tout. Voilà, ouais, c'est bien. On met les freins maintenant. Boum, GG. Maintenant je vais caper, je vais prendre cher 12 000 là, ça va être dur de tanker contre le Montana. Sauf s'il est en fuite, il me tire dessus. Je sais les superstructures, mais j'y crois pas une seule seconde. Ouais, 6 000. Attention, ça arrive. Oh, ça arrive, ça va faire mal. Ça va faire mal. Pff, il m'a cassé un canon temporairement. J'ai envie de passer à la cheveux parce qu'avec cet angle là c'est vraiment tout pourri. Ça. Dégâts gastro spot sont pas assez. 3000. Passe à la cheveux. Je reviens en marche avant parce que. C'est de la caper. On va essayer de caper quand même, ça ferait plus de points d'expérience. 19 secondes, je suis plus visible. Je freine, je cape. J'assure la cape. 967, 970, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est capé. Il reste plus qu'à attendre, on a gagné. Pas la peine de m'exposer. Je m'expose là maintenant parce qu'on a 994, mes obus n'arriveront pas, mes obus n'arriveront pas. Dreadnought. Dix-huit mille points d'expérience. Voilà une belle partie. Je suis quatrième. Avec 1740 de brut, Isera avec 2300 de brut et premier. Bah, j'ai tanké quoi, j'ai tanké. J'ai tanké comme jamais. J'ai pris combien? David Guerre endommagé, jeu en équipe. Où est-ce que je vois le tanking? C'est marqué normalement. 3 385 000. Bah ouais, 4 kills tu peux. Hein. Ça va, 18 000 pex, c'est bien. 4000 points de d'XP libre, c'est bien, c'est bien. Une bonne opération. Il est déjà 23h45, on aura eu le temps de le faire ça une fois. J'ai combien d'XP dessus? J'ai 63 000, il faut que je fasse 255 000. Bah après, c'est, je suis full flag, hein, faut pas oublier, hein, je suis full flag économique. Full flag économique, full flag XP, plus le camo.
voilà. À 4 millions de tanks en Ohio, c'était un truc de fou. Mais là, ça commence déjà à être pas mal. On va essayer de faire encore du T9. De toute façon, j'ai guère que ça, grindé. Alors, pour la dernière, je vous propose. Ça, c'est du russe, on s'en fout. On est bien d'accord. Coup de Z46. J'arrive tellement pas avec ce navire. D'Afrique Spectre Soyuz, le Kremlin est super, pareil. Ouais. Le grand Dim Dim. Le grand Dim Dim. Salut Joe. Ouais, ouais, pas de problème. Je vais regarder ce que j'ai comme 7 sur 8. Je peux peut-être encore en mettre une qui me rajoute de l'expérience par bataille. Celle-là. On va peut-être pousser le commandant à 14 points pour pouvoir tirer plus loin. Combien? 113 000. Ouais, ça va, je sais, j'allais te recréer un compte car le double outil sur ton compte est ton ancien numéro. Ah, ok. Mais le grand Dim Dim, c'est très bien. Hein. C'est parfait. Si tu veux venir en division, tu m'envoies un petit message où je regarde si t'es connecté. C'est bien, ils ont enfin changé. Ils ont enfin fait ce qu'on attendait depuis maintenant. 5 ans, ça fait 5 ans que je suis sur le jeu et 5 ans qu'on se plaint de mettre, de dire, c'est assez simple quoi, vous mettez les connectés en haut et les non connectés en bas, c'est pas compliqué comme ça, on les retrouve assez facilement, ceux qui sont connectés, ceux qui sont pas connectés, vous les mettez ensuite par ordre alphabétique et voilà quoi. Et il aura fallu attendre 5 ans pour que ce soit fait. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Il faut que je retrouve ton VHL. T'as un neutre à chimie, toi? Faut vraiment qu'on fasse plus de victoires en bataille de clan. C'est parti, c'est la dernière. Demain, on fera une soirée point d'exclamation bateau. Je ferai une belle liste et puis je vous ferai gagner aussi du coffre CC, du camouflage, tout ça, tout ça. Je
Ils ont fait 50-50 soirs de bataille sur 4, ils ont gagné, je crois. Ou 3 sur 6. Molfrite en face. Le bijoutier. Les ovnis. Peut-être du FR avec nous. Bah, ce plan B, on s'est plus détendu, on va dire. Maul, t'es en quoi? T'es en Benham. Pas ce côté-là de map. Je suis toujours de ce côté-là de map, toujours. C'est marrant, hein. Toujours en bas. Toujours en bas. 5 à moins coffre, oui. À la tour. Des moins la 10 bornes. On va tirer le torpille comme ça, juste comme ça, on sait jamais. On a Yowa, faudrait que je me cache derrière les cailloux. Pour pouvoir le saucer un peu. Je suis RPF. Ah mince, un Neptune qui pourrait m'allumer si je tiens. Faut pas que je traîne là. Je peux même pas me cacher. C'est parce que le Neptune va m'allumer, il est là. Pas l'air d'avoir trop de DD qui traîne, mais sur C, mais c'est capé quand même. Alors, elles ont droit sur moi. Il va falloir bien gérer l'esquive. Voilà, ça me passe à côté. Petit moule. La Iowa fait le tour. On va rester là.
Pas rester là, monsieur. C'est dangereux. Bien entendu. Je vois rien. Je peux tirer sur rien. Oui, une torpille touchée. Je crois que j'ai tué Moule. Ça valait le coup sur ce coup-là. Feu. Ça m'apprendra à me spot dans le smoke. Ça fallait s'y attendre. Hein. Surtout à ces hautes, hein. Vous savez que rester dans le smoke, c'est dangereux. Moi, je suis sous smoke, mais avec de l'hydro. Ce qui me donne un peu plus de temps pour réagir déjà. Ça me laisse le temps de dire merde, merde, merde et merde, au lieu de dire simplement merde et merde. J'ai le temps d'en dire un peu plus. Je suis repéré, je suis plus repéré. Je me casse. Je te laisse, Dim Dim. Il y a trop de monde. Regarde, ouais, trop de monde. Beaucoup trop de monde. Je peux pas assurer avec autant de monde. J'avoue que je m'en vais un peu. Alors, laissez. On va essayer de voir ce que je peux faire sur A en torpillant un peu. Je sais pas, il y a des trucs qui traînent par là-bas. Faisant un peu le tour. Tu limites push. Ouais. Bon, au moins, les 5 citas sur la Neptune ont dû le mettre super low. On va aller plus vite. Je peux tirer dessus, mais... Ridicule. Ça brûle pas. Je suis reporté, il va tourner. Le petit fait demi-tour. Visible. Maintenant on va s'approcher. Ça va, on récupère les torpilles relativement vite quand même. C'est plaisant. Maintenant on se fait démonter. Partie est perdue. Faut essayer de maximiser les dommages. Prendre 5 secondes.
Zati va passer. Du genre. Comme ça. Au dernier moment. Voilà, ça va être bien. Le but va être d'essayer de piquer la cape sans me faire repérer. Il y a la viande sortie, je coupe en entière. Voilà, je cap. Ça nous aide pas beaucoup, mais... Ça fuit, ça fuit, ça fuit, parce qu'ils ont peur des torpilles. T'as fini toutes les branches de croiseurs du jeu, GG. La Shimak est juste là. Intéressant. Si je me mets à 5 km de lui, je peux hydro. Ah bah non, ça sert plus à rien, on a perdu notre... J'ai perdu mon support. Je suis localisé. Ouais, je vais essayer un truc pour un truc, hein. De toute façon, ils sont à 700, on est à 200. Ah, quoique, attends, c'est peut-être pas si fini que ça. Je fais le tour. Il doit freiner et tourner comme un gros. Ah non, il a continué. Il a continué tout droit, j'aurais dû tirer droit. Deux incendies. Derrière. C'est esquivé, la première est esquivée, la deuxième est esquivée. Les deux salves sont esquivées. Ah, il m'allume au canon. Il faut peut-être m'avoir. Ah, boum. Je l'ai pas tué, sincèrement, je l'ai pas tué. Oh, c'est dommage, ils vont gagner parce que je l'ai pas tué, le Shima. J'aurais pu tuer le Vladivostok avec les torpilles si j'avais tiré normalement. Et là maintenant, j'ai pas tué le Shima en le laissant à pas beaucoup. Je m'en veux, on a perdu de ma faute.
J'aurais pu faire tellement mieux. Non, mais là, je suis quasiment. Je suis super fautif, quoi. D'accord, c'est un shimakaze, mais j'aurais pu le sortir. Ça s'est pas joué à grand-chose. J'aurais lâché le Vladivostok un petit peu plus tôt. Je me serais concentré sur le shima que je voyais derrière. Alors que je l'avais vu un petit peu plus tôt. C'est con. C'était pas fait, mais avec deux bateaux en moins, Dimlin aurait peut-être eu un peu moins à faire, quoi. Et le Minotaure aurait pris peut-être un petit peu moins cher. C'est ce qu'il faut faire, moi je trouve que c'est intéressant d'utiliser les public tests pour pouvoir voir les navires d'après, pour voir si en effet ça vaut le coup. Sachant que toutes les lignes sont plus ou moins faites pareilles quand même. Hein. Il y a des navires qui sont bons, il y a des navires qui sont moins bien. Après en général, souvent ça remonte. On trouve ça souvent au tir 9, des tirs 9 qui sont moins bien pour les navires normaux. Concernant les CV, il est clair que le tier 4, c'est vraiment bien pour prendre le gameplay en main. Voilà. T'as très peu d'avions, t'as quasiment pas d'AA, tu tires qu'une seule torpille, enfin c'est anecdotique, quoi. Tu peux pas lâcher de chasseur. La véritable ligne des porte-avions commence au tier 6, on est bien d'accord. Non, il me semble pas. Oui, le bureau de recherche. 12 000 pecs en défaite. C'est moche parce que je suis premier avec 1 300 de brut. Dim Dim deuxième. On a carry la game, mais ça a pas suffi. Ça a pas suffi. On est mieux que les ovnis. Moins que ça, j'ai fait que 46k de dommages, mais bon, 5 des caps, un kill 137 type, une cape complète, ça joue. Reporte-moi, mais non, tu parles, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai fait 12 000 pecs, hein. Je suis content, hein. Ça avance mes navires. Hein. J'aurais fait 18 000 si j'avais gagné, mais c'est pas grave, c'est bien. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain soir pour de nouvelles aventures. Merci le grand Dim Dim. Comment augmenter ses follows de manière complètement artificielle? Le grand neuneu, je vais m'appeler aussi. Bye tout le monde, je vous dis à demain. Demain soir, je serai là sur les horaires du Daffy. Je remplace le Daffy et on fera une soirée plein d'exclamations bateau. Ce sera sympa. Voilà. Merci pour la présence de Tim Tim, la présence de Val et je vous dis à demain. Plus, bonne nuit.